C'est le moment pour moi, je vous ai dit, on va faire des annonces capitales. La récréation a trop duré dans ce pays. Si on ne fait rien à l'allure, au membres qui n'a pas d'accord, ces gens-là ne vont pas reculer. Si on ne fait rien, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ils vont pas reculer parce que ça traîne. Ça fait déjà 2 ans, la vidéo que vous avez venu de voir là, ça remonte peut-être de 2 ans. Mettez ça là. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes au même point. Et tous les jours, on nous mène en bateau qu'on a, vous n'avez. Sur cette histoire de la vente de nos terres, et nous savons que l'opinion est avec nous. L'opinion nationale ou la diaspora. Et même l'opinion internationale, puisque nous avons nos voisins rwandais de la RDC qui sont même contre ça. Il faut maintenant, c'est le temps d'agir, de passer un message fort à nos gouvernants, bazar, que nous ne sommes pas d'accord. Ce que nous allons faire, nous au niveau de la diaspora, et j'en appelle à toutes les communautés de la diaspora, et Zalaba congolais, et Zalaba de la RDC, les Aérois, mes amis, c'est vous que c'est pas péjoratif. Bantouina, nous devons nous retrouver pour faire une manifestation ici en France. Ça ne sera pas. D'abord, nous allons commencer la première manifestation ici en France. Nous allons prendre le temps de préparer cette manifestation, une grande manifestation. Elle sera européenne. Nous allons faire cette manifestation, aujourd'hui nous sommes au mois d'avril. Et nous allons préparer cette manifestation pour le mois de juin. Donc c'est pour vous dire que nous allons nous préparer. On ne fait pas les choses sous l'émotion, mais c'est parce que nous pensons que nous sommes en danger. Que ceux qui sont en Suède, Bobana la Finlande, Bobana Irlande, Bobana Angleterre, ceux qui sont en Suisse, en Allemagne, de prendre leurs précautions parce que nous allons chercher à faire une manifestation, elle sera familiale. Le comte, la comtesse et ses enfants seront présents. Donc, Bino Pebonata, Bassinabino, Bananabino, Tokokene, une marche pacifique, nous allons faire, ça sera au mois de juin, lorsqu'il va faire beau, un samedi, Tokobima, Tokosa la marche. Une marche que nous allons faire sera organisée par des personnes qui vont faire le consensus, il y a bâtonnant surtout. Je ne parle pas que je suis l'organisateur, mais il y aura des gens et qui ne sont pas clivants. Ceux-là vont organiser cette organisation et la marche. J'en appelle parce qu'il y en a qui ont des moyens. Bon, de mettre l'argent en jeu. Ceux qui te reçoivent ma bus, te reçoivent pour te louer ma bus. Ceux qui sont à Marseille, ceux qui sont à Toulouse, à Montpellier, à Bordeaux, partout, dans nos provinces, Bakoyaka, il faut que nous nous retrouvions. Nous dirons non au Rwanda. Toboui. Si on ne fait rien, rien ne se fera. Nous allons le faire. Et si on ne risque rien, on n'a rien à perdre. Et si on ne fait rien, rien ne se fera. Et nous appelons à une marche familiale. Ce qu'on y était, tu es contre le Congo. Parce que ça, on ne défend aucun leader. On défend nos terres. Que tu sois du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, ou les Alikas, mon Abissou. Et comme on nous dit toujours que vous, là où vous êtes, vous ne faites rien. Nous allons commencer ici, au mois de juin. On vous donnera la date et nous allons maintenant, ceux qui sont favorables, et vous devez être favorables, tous. Et vous devez rentrer en jeu pour organiser, donner un signal pour que vous sachiez, nous ne sommes pas d'accord. Pourquoi nous devons amener aussi nos enfants? Parce que c'est leur avenir qui est en jeu. Nous ferons une marche pacifique. Il n'y aura rien. Pas de slogan, pas de quoi que ce soit. On vous donnera toutes les modalités par ceux qui vont organiser. Il y aura une grande équipe pour organiser et ça sera une réussite. Croyez-moi, ça sera une réussite. Au niveau du Congo-Brazzaville, une fois que nous aurons fait la marche, ça sera à vous, le relais au Congo-Brazzaville. À partir d'aujourd'hui, chacun de vous, Bosomba, moi qui tamba là, y a noir, y a moquet, peu importe, dimension. Bosomba et Kitambala, un morceau de panne en noir. Le message que nous allons passer ici en France, ça sera la capitale, Oyotokosala. Toutes les communautés, toute la diaspora se retrouvera en France. Nous ferons cette marche. Ceux qui ne viendront pas, on les indexera. Toko indexé Bango, Toko la A, Bino, Yakakite, Toyebi, Metol, Bino, Wabanan. Na Congo, Bino, tout. Bosomba,
qui tambala ya moyine za la moke bo bomba na ndako. O ya zanango bo bomba deja. O ya na t-shirt ya kalawala bo bomba ngo. Bo bomba on na ndako la bine. Le message qu'on mettra, non au Rwanda, c'est ce que vous allez mettre. Bo komi ango. O ya na lacré à pembe a komi. O ya na peinture a komi. O ya kene na sérigraphe a komi ango. Lorsqu'on vous donnera le feu vert, chacun mettra ça devant son portail. Personne ne sortira. Et personne ne viendra vous arrêter. Tout Congolais, devant chez lui, prendra ce morceau bout de pan, à côté en haut, date te copé Sabino, heure te copé Sabino. Vous achetez une bougie. Et cette bougie-là sera allumée à une heure précise, chacun. Ou à la bougie, mon corps. Quand on a mon ami balai, paie sa voisin, ceux qui voisins dans la bougie. Et c'est ce que nous allons faire pour donner un signal que nous ne sommes pas d'accord. C'est le peuple. La souveraineté appartient au peuple. Personne ne sortira. Ils ne pourront pas venir bombarder les gens qui sont chez eux à la maison assis. Il ne faudra pas vous dire que ne mettez pas le bandeau au Bogotia, devant par Sénabi. Ce problème ne concerne ni le pouvoir, ni l'opposition.